sort par tous les trous. Et salut à tous, c'est Peto. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on est dans la voiture. On va aller chercher tout de suite les petits Durum pour le défi Durum Land. 3 Durum vs Peto. Alors, c'est parti. J'espère que la qualité est bonne. Je viens d'investir une petite caméra pour faire des spéciales vlogs comme ceci. Allez, c'est parti. Là, on se retrouve tout de suite à la réception des Durum. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà, je déconne. Dites-moi dans les commentaires si la qualité vidéo et la qualité sonore, c'est avec le micro d'origine, si la qualité sonore et la qualité vidéo sont bonnes. Voilà, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, il fait bientôt nuit, donc j'espère que la qualité sera bonne. Je répète encore la qualité. Et voilà, pendant ce temps, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et le commentaire en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça fait monter les vidéos dans le référencement. Pour nous, c'est beaucoup, pour vous, c'est rien du tout, c'est juste 2-3 secondes. Donc allez-y, je vous laisse le temps avant que la vidéo commence. Je m'en bats les couilles ta vie, si tu veux c'est mon avis. Je reste un peu pour l'ego, je fais du son même pour les gauches. Je m'en bats les couilles ta vie. J'espère que vous avez mis le commentaire et le pouce en bas de la vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite chez le Takababier. Ok les gars, là on est en bas, je suis dans la voiture, j'attends le petit livreur qui devait arriver d'une minute à l'autre avec les, les Durum. Donc voilà, dès qu'il arrive, je récupère ça, je vais me poser et on se débourre ça tout de suite. On va se dégueuler ce petit repas. Ça fait bientôt 3 mois que je suis en diète et avec la muscu à côté. J'ai pas fait de gros cheat meal énorme. Voilà, là ça va être vraiment un rebond calorique énorme. Donc j'espère que ça va faire du bien dans le petit corps. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite. On se retrouve d'ici 5 minutes, il va arriver. On récupère ça et on va se poser tranquillement. Allez, à tout de suite la team. Ok, 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 on vient de récupérer toute la bouffe. Elle est là, comme vous pouvez voir sur le siège. Donc là, on a les 3 Durum pour moi. Il y en a un pour madame. Il y a les petites frites, il y a les 2 boissons. Donc voilà, c'est parti. On va se rentrer tout doucement à la maison. Et puis on va débourrer ça facilement, quoi, j'ai envie de dire. Je ne pense pas que ça va être facile. Je vais demander un extra de viande dans les Durum. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. Mais bon, faut y aller les gars. Allez, à tout à l'heure. Là, on vient de récupérer la commande. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le petit Misty, équivalent au Ice Tea en France. Bien sûr, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comme vous avez été nombreux à voter, du coup, on a le premier Durum, le Graal du Graal. On a ensuite le deuxième Durum, le Graal du Graal numéro 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en numéro 3? Le Graal du Graal. Cette vidéo, ça va être une petite vidéo dégustation, explosion de saveur en bouche. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là encore? On va couper tout de suite le Fontel. Donc là, c'est des Durum qui nous viennent tout droit d'un kebabier espagnol. Donc là, on va en ouvrir le premier, voir ce que ça donne. Et on part tout de suite sur la petite dégustation qui va aller bien tout de suite. Je pense que cette vidéo va en ravir plus d'un. Allez, on ouvre ça à la zobe. Ça tue ça, mon pote. Allez, c'est parti, on va déguster le premier. C'est vraiment excellent. Hein. Ça va déjà caler. J'ai ouvert, mais je crois qu'il aurait fallu le laisser dans l'aluminium. Parce que là. Vraiment énorme, on va les peser après je pense. Ça
les gars, petite balance. C'est pas une balance de prison, bien sûr. On y va, on pèse le premier. On est sur 640 grammes le premier durum. Le deuxième, du coup, sur celui-là. Ah, d'un durum à l'autre, il nous a arnaqué, le gars. Là, on est à 565, il y a quasiment 90 grammes de perdu. Bon, bah, c'est pas grave. On continue sur la petite dégustation. On va aller commencer dedans. Là-dedans, on va retrouver un mélange simple d'un kebab, sauf que c'est dans une galette et du coup, ici, ils appellent ça durum. De la viande à kebab, de la salade, du chou, de la sauce blanche et c'est tout. Pas bien dans les commentaires si vous aussi vous dégommez 3 durum par repas. Voilà pour les deuxièmes petites céréales. N'oubliez pas, on n'a pas une miette. Je sais pas si on entend les bruits de bouche avec le micro. Je dirais ça. J'avais un petit creux. Voilà, un petit creux et il commence à être rassasié. On va entamer le deuxième. Mettre. On va le plancher autrement celui-là. On va le laisser dans le paquet aluminium. On s'en balance à côté. Oh, putain, c'était 600 grammes déjà. Ah, non, l'aluminium, ça donne ça. Une belle grosse saucisse de Toulouse.
la prochaine vidéo avec Rémi Diot. Si la vidéo atteint les 500 pouces bleus, on en mangera 3 chacun. Ça fera une vidéo à 6 tourous. Ça fera 2 roublants de 6 tourous PS Peto. Oh, celui-là était profond. Ça fera une vidéo 6 tourous PS Peto et Rémi Diot. Il en reste encore un. Un demi plutôt parce que je n'ai pas encore fini celui-là. Hop là. Aspirateur. Excellent tout ça. Dans les commentaires si quand vous mangez des kebabs ou des durums ou des tacos ou n'importe quoi, vous êtes team oignon ou team sans oignon. Moi je suis team sans oignon, mais j'aime les oignons. Bon, on essaie de payer la gueule après. Je suis plus la gueule. Je peux pas sortir. Alors on arrive sur la fin du deuxième. Je pense qu'au troisième ça va être un peu plus dur. Mais voilà, ça se mange quand même assez facilement. On va pas faire un giga tacos quoi. Hein. C'est bon quand même. Hein. Tu veux me lâcher toi? À bouger. Allez, la bique couchée. Thank you.
va déguster un truc de fou. Hop là, là, là. En plus celui-là c'est le plus gros, celui-là je crois il fait 650 grammes. Avant de commencer, toujours ce vide. Ça fait du bien. Marque-moi dans les commentaires à quoi ça te fait penser. Allez, là. Ah, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. Petit pichet d'eau, petit verre d'eau. L'eau, c'est la vie. Aspirateur. Hashtag péto fragile. J'ai plus la même force de manger dans même pot. Avant j'aurais débourré ces trois dômes là en 2 minutes. C'était plié. Comme on dit, quand on prend la bouteille, on va doucement. Pas vite. Et loin. J'ai une blague et je t'arrête de rigoler tout seul. Qu'est-ce qu'il y avait dans j'ai appris maintenant. Du coup, j'ai mangé la moitié. Mais là, je pense que ça va être bon pour moi. Parce que si je mange trop, si je finis ce truc là, les chiottes ils vont être cassées en deux, je pense. Pour éviter, on va laisser ça. Comme ça, de côté, ça fait un vase, c'est super joli. Ça fait une déco, moderne. Ça sort par tous les trous. Peut-être qu'on fera mieux dans une prochaine vidéo.
dans la vidéo des Sidoum avec Rémi Thio. Je vous rappelle, si la vidéo fait 500 pouces bleus, on fait cette vidéo Sidoum Land avec Rémi. Avec Rémi Thio. Moi, je vous dis là, sur ce, j'arrête de manger, sinon je vais dégobiller. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de vous porter bien. C'était Péto, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Big biceps. Big biceps, c'était pas fini. Big biceps!